Yo 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 yo, salut à tous, salut à toutes, bienvenue encore chez MediaTek Solution. Et bah, aujourd'hui, je vais vous présenter cette vidéo où on va voir comment est-ce qu'on peut afficher ou on peut connaître le mot de passe de son Wi-Fi. Peut-être on ne le sait pas et on voudrait bien le savoir, peut-être on l'a oublié ou c'est quelqu'un qui a mis ce mot de passe sur votre machine. Alors, vous voulez maintenant le savoir, vous voulez l'afficher pour que vous puissiez aussi l'utiliser ou bien les donner à quelqu'un d'autre. Alors, c'est facile, on va passer dans deux manières, dans le vide de commande et graphiquement, et on va voir comment les afficher. Donc, sans toutefois tarder, on va lancer l'invite de commande CMD. Et tout d'abord, on peut d'abord afficher, si on veut, le nom du Wi-Fi auquel on est connecté. Donc, on va taper la commande NETCH VLAN show network avec un S, voilà. Et là, on me montre que il y a ce réseau ici qui est visible et qui est présent, donc qui est actuellement visible. Donc, j'ai les réseaux Medianet. Donc, c'est le réseau auquel je suis déjà connecté. Donc, c'est mon petit réseau. Voilà. Maintenant, on va taper la commande pour afficher son mot de passe. Alors, c'est très très simple. On tape la commande NETCH VLAN show profile. Voilà. Et puis, on va taper la commande name égale, on ouvre les guillemets et on met les noms du Wi-Fi, Medianet. Et puis, on ferme les guillemets et puis, on fait key égale clear. Voilà. Et hop, comme par magie, on me donne toutes les informations nécessaires pour ces réseaux, les chiffres MAC, l'authentification, joyal et WebAD personnel. Là, on met la clé de sécurité qui est présente et compte tenu de la clé, on met le mot de passe qui est là, medium@2020. Donc, c'est ça le mot de passe de ces réseaux. Alors, là, je viens de le faire par invite de commande. Maintenant, graphiquement, aussi, c'est très, très simple. Donc, je lance toujours le menu d'exécution et puis je tape la commande ncpa.cpl.cpl. Voilà. Ncpa. Et directement, ça va m'ouvrir sur mes cartes réseau et je vais double-cliquer sur la carte Wi-Fi et je vais aller là sur propriétés sans fil et puis sécurité et là je vois il y a la case où on écrit clé de sécurité réseau donc je vais seulement afficher les caractères et directement je vois là qu'il y a medium@2020 et c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui pour cette partie. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas aussi d'aimer, de partager ainsi que commenter si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos que vous voudriez que je fasse pour vous. Et donc, je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, merci, bye bye.